ils se sont jamais imaginé qu'un jour, nous, les fils dignes, issus d'une autre ethnie aujourd'hui, nous serons tellement engagés pour Alagiselou, pour cette communauté, plus que les gens de la communauté même. C'est ce qui les a surpris. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à digérer cela. Ils ne peuvent pas digérer cela. Que moi, étant que je suis d'une autre ethnie et que je défends la communauté Fulbe à la personne de mon président, ils n'arrivent pas à y croire. Quoi. C'est pourquoi ils font des spéculations, des trucs. À un moment donné, le péché de cette communauté a rattrapé tous les Guinéens et qu'aujourd'hui la vérité, oui, la vérité a éclaté au grand jour. C'est ce que je vous ai dit hier. Oui, quand on marginalise des gens, quand on piétine des gens, arrivé à un moment, ces gens-là seront devant, seront plus hauts que vous. C'est ce que la communauté a fait. Et la meilleure des manières, la meilleure des manières. À l'école, le premier, c'est le peul. Le commerce, le premier, c'est le peul. Al Qur'an, ils sont en avance. L'islam, tous les enfants connaissent à lire. L'éducation. Sauf si les enfants qui veulent être égarés, mais tous les enfants de la communauté, au bas âge, ils apprennent le Coran. C'est ce qui est la vérité et c'est ce qu'il faut accepter. On va écouter. Bon, Mamadi Cissé, ça c'est mon travail. Je suis en train de te dire la vérité. C'est ce que j'ai étudié. La communication, les high-tech. This is my job. Ok? Si c'est ce que tu comprends en anglais, je vous mets l'audio. Tidiane rentre. Sors, tu rentres, je vous mets l'audio du RPGiste avec qui j'ai parlé sur ma page. Et voilà, c'est triste. Hein? Il m'a insulté. Il m'a insulté. Voilà. Il s'appelle Moussa Bérété. Il a parlé en soussou. Je vais vous traduire le premier audio. Je vais vous traduire ce qu'il a dit. Et jusqu'à son dernier audio, là où il dit qu'il va voter pour Dalin. Que je l'ai fait comprendre la réalité qu'il va voter Dalin. Je mets ça pour vous, les autres RPG. Maintenant, on m'a dit si c'est dit que Dalin ne va pas gagner. Maintenant, je vous mets l'audio. On va écouter Moussa Bérété. Allô, Anari. On a fait mon sein de là-bas. On a sené à la baffe, Guilherme. Kanaki naran namufa. Sina na ba ola mane wana fala.
mon gâteau. Mon tangbea, on mousse et automa, faut ouler côté. N'en fala fait. Moulin fait, n'en fala. Ma réponse, ma première réponse pour lui. Il dit premier audio en sousou, tu dis que nous on va soutenir Doumbouya, on va soutenir Doumbouya, mais vous, tu soutiens Dalain, toi tu es en train de faire campagne actuellement là. Et puis, c'est ce qu'il a dit en gros. Tu es en train de faire campagne actuellement. Nous, on ne va jamais soutenir Doumbouya. On ne va jamais voter Dalain. Dalain ne sera jamais président. Amoulamfe. Donc, je lui ai dit, ah non, il faut soutenir Doumbouya car. Parce que Doumbouya, il vient de la Haute-Guinée. Maintenant, il me dit, ils sont troisième vocal, ça. Ah, là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de ba nous fa nous sena ana sena ana bare a nous fa monta moi mere mon bembe ya nous fa afanebe radiama a ere na na bafi monta la mane diere monta ina na ga si portefeuille ki ita ya ta kolo i ina fule i ne kolo mo na bezi na fefe o bezi fa fa ndire mais adonga monta tire mona ma tofi mona fim na ma tofi. Ce à nous, mon temps, mon bien kirena. Mon bien kirena, mon bien kirena. Nous avons un peu de temps en compte. Mon peu de temps. Mais, il y a un peu de temps politique. Bien, nous avons un peu de temps. Il y a 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 un now, when I was on the job, Jay, who sent it out to dear near Mountain White Bay? Send it. Max and Fontaine, Jilla Max and Fontaine, and now my day out, you saw a political whistle. You know where he went, Kia, Iraya, and Dundurtala. And also, Mary Boom, and now Combiti. Sontan near Pasma Toma, and now Combiti. Yeah, Mary. Sonanta Muna est en compte. Voilà, écoutez. Sixième. Lolo est en agressif. Lolo est un agressif au Montagne. Oui, Piné Gang Bidroma, au Mouin Kana. Attara bien privé, Birina Pébete, à Yomuna Montagne. On a donné un agressif. Je l'ai répondu encore sur le sixième, c'est le sixième que je l'ai répondu. Montana, mais on fout les femmes matouka. On sait le femme matou. On sait le femme matou, on a matou la minima. Après, à ce moment-là, son nom. Nata wonno mo wendi me won selu famma to wonna fala wonna ka ko nga won nga ka ro ro selu mu do ma selu mu do ma ali ma toujours si nyoro ya na na ali ma la si si na na me won selu famma to ka ali ma selu mu no so no me yo mu no mo wendi ka wonna ra ba je l'ai dit de regarder regardons celle aussi
Ba inyon inyo etie gna we no na mu matofi uno gira ba jiler amufa uno gira yoraba ala ze na im don conseil kai ba fa na ki mu nga fa matu anu fa na fa la mo e ke ne ki bura ra ba ki ana re ara premier ministre anu fa a premier ministre a su sende to ngo be manika de ra fin ara ai a milage kwa na bin fini fule ba munta nga una na ba fule anu se na soto. Lui déjà il est convaincu que c'est lui le président. Donc les RPGistes déjà ils sont tous convaincus que c'est lui le futur président. Pourquoi ne pas accepter comme Moussa Bérété? Il dit là où il est en Côte d'Ivoire. Il va, attendez, je vais mettre ma réponse encore ici. Ah mon frère, merci. Il faut te manquer à Beka, à la Beka. On m'a fait mal, on a les mal, hein. À Moufiro, il y a basse. On a fait vraiment bien. Baracolé, Fabmoufa. À la belle, la province de Mombe, et beauté ma belle, on a fait moi, comme il baracolé. C'est tout. Pourquoi ne pas accepter que Dalin soit président? On va regarder Dalin aussi. On a regardé Alpha Condé. Pourquoi ne pas regarder Dalin aussi? Après, si Dalin ne travaille pas, personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire que oui, Dalin était là, non, il a fait. Pourquoi ne pas accepter, comme le monsieur Moussa Bérété a accepté? Il va dire dans son dernier vocal qu'il va voter pour Dalin, qu'il me promet. Oui. Pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas accepter? Pour qu'on regarde Dalin aussi. Même si c'est un seul mandat. Parce que c'est à partir d'un mandat qu'on va savoir que s'il y aura deuxième mandat. C'est ça. Pourquoi ne pas regarder, accepter Dalin aussi? Son dernier vocal. Maman. Anouraba, mon vote est manana. Mon nouveau vote avec. Ah, mon fantôme, ouais. Là, mon vote est manana. Ah, on a le 21e siècle. Mon vote est manana. Ah. Pourquoi je vous mets cet audio? Parce que dans la tête, le gars, il m'a parlé quelque chose qui est dans la tête de la majorité des personnes du RPG. Parce que, qu'est-ce qui est dans la tête? Comme le monsieur qui met le commentaire là, il me regarde. Qu'est-ce qui est dans leur tête? Ils pensent que quand Dalin va être président, ils vont être ignorés. Ils pensent que quand Dalin va être président, on ne va pas les considérer. Non, vous êtes des Guinéens. Les cadres Malinké, les cadres Soussou, les cadres forestiers, les cadres Gaka, les cadres Kounianké, vous serez tous là appelés à travailler avec le président. Ce n'est pas de dire vous serez mis à l'écart, ce n'est pas de dire que vous serez marginalisés. Non, les gens là n'ont pas un esprit de vengeance. Regardons ces loups d'Alain aussi. C'est très simple à comprendre. Très simple à comprendre. Nous, vous pouvez dire tout, mais Allah sait que ce que nous défendons là, c'est ce qui est bon pour notre pays. Regardons d'Alain aussi. C'est aussi simple que ça. Mamadi Cissé, tu es en train de me regarder, mon frère. L'idéologie ou les pensées négatives que vous avez, ce n'est pas ça. Observons Dalin aussi. S'il vous plaît, regardons Dalin aussi pour l'intérêt de la Guinée. C'est aussi simple que ça. Alpha a cherché le pouvoir pendant 45 ans. Dalin, lui, il a cherché le pouvoir pendant 13 ans. 45 ans et 13 ans, qu'est-ce qui est beaucoup? 45 ans et 13 ans, qu'est-ce qui est beaucoup? C'est 45 ans. Donc, lui, il cherche le pouvoir depuis 13 ans.
Maintenant, les 13 ans là, pourquoi ne pas lui donner? Si on a donné à quelqu'un qui a cherché pendant 45 ans, si on a donné à quelqu'un qui a cherché pendant 45 ans, pourquoi ne pas accepter à donner à une personne qui n'a même pas fait 20 ans ou 15 ans, il cherche le pouvoir? Pourquoi? Donc, il faut qu'on s'accepte comme ça. Je viens pour le thème, le programme du président. Tous les militants sont appelés, oui, j'ai dit bien, tous les militants, sympathisants du parti, de l'Angleterre, de la France, l'Allemagne, la Hollande, Luxembourg, de partir rencontrer le président à la Guisselou, Fédération de l'UFDG Belgique, à l'intention de la communauté guinéenne et à la diaspora africaine vivant en Belgique et ailleurs en Europe. Faisant suite à l'annonce relative à la venue à Bruxelles du président Alaji Mamadou Sellou d'Alain Diallo, le bureau fédéral de l'UFDG Belgique a le plaisir de porter à la connaissance de la communauté guinéenne et à l'ensemble de la diaspora africaine vivant en Belgique et dans les autres pays européens, notamment la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Hollande, pour ne citer que ceux-là, que le président de l'UFDG, également président de l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, animera un grand meeting, oui, d'échange sur l'actualité sociopolitique de la Guinée ce samedi 23 octobre 2021 de 15h à 18h à l'adresse suivante, c'est-à-dire le président Alaji Mamadou Sellou d'Alain Diallo, président de l'UFDG, président de l'Alliance pour l'alternance démocratique, l'ANAD, fera un meeting ce samedi, oui, à Bruxelles, de 15h à 18h. Tous les militants sont appelés à partir là-bas, même ceux qui ne comprennent pas français. Partez poser vos questions au président. Partez demander le président. Partez parler à votre président. Partez, vous allez vous adresser à votre président. Il ne faut pas dire, c'est le président du parti, si je pars là-bas, je ne vais pas le voir. Partez en Belgique, oui, le samedi, préparez-vous dès maintenant. Allez-y rencontrer notre président. Vous allez lui parler, lui poser les questions sur son programme. Bien, je dis bien, sur son programme pour la Guinée. Vous allez lui poser des questions qui sont dans vos cœurs, que vous souhaitez avoir des réponses. Ne négligez pas, hein, partez. L'adresse est la suivante. L'Université libre de Bruxelles, ULB, Auditoire Gaison, Campus Solbotch, Avenue Franklin Roosevelt, 48 10 50 Bruxelles. 1050 quoi? 10 50 Bruxelles. L'adresse est la suivante. Je vais partager tout à l'heure. Université libre de Bruxelles, ULB, Auditoire Gaison, Campus Solbotch, Avenue Franklin Roosevelt, 48 10 50 Bruxelles. Le bureau fédéral invite les responsables, militants, sympathisants et amis de l'UFDG Belgique et d'ailleurs à prendre toutes les dispositions, non seulement pour réserver un accueil chaleureux à notre hôte de marque, mais également pour faire de cette rencontre inédite d'une réussite totale. Le bureau fédéral sait compter sur la bonne, sur la mobilisation de chacun et de tous. Bruxelles, le 20 octobre 2021. Le bureau fédéral
de l'UFDG Belgique à la personne du fédéral Aliou Baldé. Donc, militants, sympathisants, préparez-vous, allez-y parler à notre président. Allez-y poser vos questions, allez-y lui parler. Il est sorti, les RPJ sont frustrés, ils sont en train de crier. On est tous de la même famille, on est tous pareils. Les gens sont en train de spéculer. Ah, c'est lui, est parti en tournée. Il est comme si, il est comme ça. Sa tournée, la base de son programme, il part pour l'anniversaire de l'organisation dont il est membre et il a une fonction de responsabilité. Vous n'êtes pas sans savoir que les mois passés, il a tenté plusieurs fois de sortir du pays, il a été empêché. Donc, c'est normal qu'il sorte du pays, c'est normal qu'il voyage, c'est normal qu'il part maintenant pour aller rencontrer, oui, pour aller prendre de l'air, pour aller souffler, c'est ce qu'on dit. Donc, laissez notre président le souffler. Il va souffler, il va se reposer. C'est normal, laissez-le en paix. Qu'on prépare quoi pour lui donner le pouvoir? Non. Il a déjà gagné les élections en Guinée. Il a déjà gagné des élections en Guinée. C'est déjà un président triché. Un président triché. Un président qu'on a arraché sa victoire. Donc, il n'a pas besoin, oui, de se faire plaire pour des gens. C'est un homme de haute responsabilité et c'est un homme de qualité. Quand il ira, et comme il est déjà parti, c'est forcément obligatoire qu'il puisse rencontrer les autorités européennes. Vous êtes quoi? Je ne veux pas vous traiter de fou. Est-ce qu'un Sidia ou un Kouyaté ou un truc, la première force politique du pays ne peut pas partir dans un pays sans qu'il rencontre les responsables de ce pays? Non. Mettez de l'eau dans vos verres. Ils sont en train de spéculer que Ambalo est parti à Conakry, c'est Macron qui a commissionné Ambalo. Maintenant, c'est lui qui est parti en France. Il est parti. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ce que les alphas ont fait, tout ce qu'ils ont mijoté là, c'est lui ne fait pas pareil, c'est lui ne fera pas pareil. C'est lui, les démarches qu'il entamera. Avant même qu'il soit président de l'UFDG, toutes les démarches qu'il a entamées, c'était pour le bien du pays de la Guinée. C'est pas pour ne rien qu'on a refusé de lui donner la vente du Air Guinée. Parce qu'il voulait que l'avion soit dans la main des Français pour que la Guinée puisse en bénéficier. Après, ils ont vendu à Mamadou Sylla. Aujourd'hui, est-ce qu'on a avion? On n'a plus avion, non? Hein? Est-ce qu'on a avion? On n'en a pas. Donc, militants sympathisants, il est l'heure de la guerre. Quand on me pardonne, j'ai peut-être raté. Non, ça reste un peu, 5-10 minutes. On se dit à samedi. Partez tous à Bruxelles pour aller parler à votre président, notre président, oui, le futur de la Guinée. Même les RPGistes, vous êtes invités là-bas. Vous êtes invités, les RPGistes. Carlos Omo, faut aller. Les RPGistes, allez-y poser la question à Alaji Sellou dans l'Indialo. Les RPGistes, allez-y demander à Alaji Sellou. Pourquoi? Demandez-lui pourquoi vous voulez être président. Demandez-lui. Oui, posez-lui des questions. Oui. Sur ses projets de société vis-à-vis de la Guinée. Allez-y, ne vous gênez pas. Vous êtes tous invités, toute l'opposition y compris. C'était votre frère, Djibril Agi, de l'UFDG.